Salut tout le monde. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie du commentaire live. Donc on s'était arrêté sur mon coup en O6 et maintenant voyons comment noir va réagir. Ok, il décide de sortir avec un grand Toby, un Nican Toby. Décidément, c'est une idée qui lui vient assez à l'esprit parce qu'il en avait fait un premier ici, là, il en fait un deuxième. C'est pas très solide quand même à la base, hein, les Nick and Toby comme ça. Bon, comme j'ai eu un peu de temps pour réfléchir, j'avais déjà envisagé qu'il allait sortir ce groupe comme ça, hein, soit en Toby, soit en Niken. Bon, je pensais plus en Toby normalement. Et moi, je compte venir jouer ici en O4 pour presser un peu le coin. Parce que ça me semble la direction à jouer à ce moment-là. Hein. Si je peux pas vraiment l'attaquer comme ça, de toute façon, enfin, c'est un peu difficile d'attaquer ce groupe pour faire des points. Je pense qu'il faut d'abord que je vienne voir comment il réagit avec O4 sur le coin et ensuite on verra. Il vient jouer en deuxième ligne. Alors je m'attendais pas à ça. Je m'attendais plutôt à ce qu'il vienne jouer en O3, que je réponde en N3, qu'il recule en P3 et que je bloque en N4. Là, du coup, en P2, enfin, je m'attendais aussi peut-être à un coup en P3, que je bloque ici et qu'il fasse année. Je fais année, il protège ici en P2. Du coup, bon, je pense que c'est enfin, bon, c'est nécessaire quand même de protéger, hein, parce que si je protège pas, si je joue autre chose ailleurs, si je tenouki, il peut venir jouer le coup en N3. Et c'est assez embêtant s'il peut sortir ce groupe. Donc je pense que je vais tout simplement bloquer avec O2. Ok, il monte en P3. Donc, moi je bloque en O3 simplement, je pense. C'est vrai que ça paraît un peu mou, hein, mais bon. Parce que c'est comme si que si je joue O3, si j'avais joué O3 et qu'il a... Non, non, s'il avait joué P3. Je bloque en O3, il descend en P2. Est-ce que je vais venir bloquer en O2? C'est ça la question. J'hésite. Est-ce que je protège ou je protège pas? Est-ce que c'est... Non, c'est pas très... En fait, c'est pas vraiment nécessaire de protéger. Surtout que ça réveille rien dans le coin. Ça ne réveille pas d'Adji, quoi que ce soit, il n'y a rien. Donc ça semble pas une évidence de protéger. Donc je vais déjà partir dans l'idée de ne pas protéger, mais qu'est-ce que je joue si je protège pas? Alors c'est vrai que bon, avec ça, à la base, j'avais l'idée vraiment de développer quelque chose ici, parce que bon, je pouvais toujours couper là, si Fatari, je sors. Et dans cette idée, en fait, je pouvais imaginer développer quelque chose au centre, des points, en fait, quelque chose. Mais là, maintenant... Je peux ne pas répondre aussi peut-être quoi. C'est vrai que s'il joue là, bon, j'avance, s'il avance, j'avance. Ça va affaiblir ce groupe quand même. Donc il peut pas vraiment jouer en O3 quoi. Ouais, après, si je joue en O3, je peux pas vraiment bloquer, sinon il peut couper direct. Et comme j'ai une coupe aussi en P7, j'ai pas le luxe d'avoir deux groupes faibles. Donc s'il joue là, il faudra que j'avance ici. Donc du coup, il peut grappiller des points un peu par là, ça sera, on va dire, on peut appeler ça un énorme IOC quoi. C'est pas évident. Est-ce que je peux... Genre, en attaquant ce groupe-là, je peux peut-être essayer de faire des points au sud. Je peux pas juste jouer comme ça quand même. Je joue là. Il fait Toby, je refais un autre Toby. Tu fais Toby. Et je viens jouer ici. Oui, pourquoi pas. C'est une possibilité. Parce que là, je vois pas comment développer directement sur le bord. En fait, si je joue quelque chose, une extension simplement en K4, j'ai l'impression que, ben, par exemple, il va juste jouer H3. Et en fait, ça a pas vraiment. C'est un peu mou, en fait, K4. Ça apporte pas grand-chose, ni pour ce groupe-là, ni pour faire vraiment des points ici, quoi. Alors que ça, au moins, ben, ça attaque plus sévère, quoi. Après, c'est clair que si, il est un peu obligé de répondre, parce que ce groupe est vraiment en grand danger. Donc il faut peut-être jouer un peu serré ici, un peu plus tendu.
Donc je vais tenter ça comme stratégie et puis on verra, je pense. Donc, Toby. Kosumi. Ok, c'est un coup auquel je m'attendais aussi, que j'y pensais. Parce que s'il fait simplement un Toby, peut-être qu'il trouve ça un peu mou, un peu trop mou. Donc un Toby, c'est quelque chose qui permet. Il veut peut-être essayer de m'écraser un peu ici. Genre, il veut pas se laisser trop faire sur ce groupe, je pense. En même temps, bon, si moi j'avance simplement, faire un simple Kema, ça paraît un peu bizarre comme coup. Ça paraît un peu mou quand même, on a l'impression que c'est pas trop recherché. En même temps, s'il fait un Toby, en fait, je peux venir approcher là. Et je peux développer une zone assez intéressante. Parce que si j'arrive à développer une zone intéressante, quand il poussera en haut 3, je pourrais bloquer ici, quoi. Parce que là, s'il coupe, ça sera moins dangereux. J'aurai pas vraiment deux groupes faibles, vu que ça sera chez moi. J'aurai plus de pierres. Enfin, du coup, maintenant que j'ai une pierre en M6, c'est vraiment ça. C'est que s'il pousse en haut 3 et que je bloque là, la coupe ici, je m'en inquiète beaucoup moins. Donc, qu'est-ce que je joue? C'est vrai que là, lui, je peux pas vraiment lui laisser le coup en L6. Hein. Si je lui laisse rajouter un coup en L6, si je fais année, il fait année, je recule, et là, lui, il va trop m'écraser à cette position. En même temps, ce coup. Bon, si je joue là, il va peut-être faire un Toby, c'est un peu mou. Du coup, je vais faire un Kema, je pense. Hein. Un Kema, et je vais viser de refaire un Kema après pour l'attaquer. Si j'arrive à le contenir dans cette zone, après avec mes pierres là, je peux arriver à jouer un coup comme ça et développer quelque chose ici, parce que j'ai toujours la tari en E15. Voilà, je vais essayer d'établir une stratégie un peu comme ça, et puis on verra comment il réagit, quoi. Comme d'habitude. D'accord, il pousse en M13. Ah, c'est plutôt malin. C'est vrai que j'avais dit que si je bloque là, qu'il pousse là, que je bloque là, qu'il coupe, je peux couper. Mais maintenant qu'il a une force ici, c'est un peu gênant quand même. C'est vrai que peut-être que ma pierre ici va se faire avoir. C'est un peu délicat. En fait, si je joue là, qu'il joue là, est-ce que je coupe quand même, qu'il sort? Après, il faut voir. Est-ce que je bloque là, il joue là, je coupe là, il sort. Je peux peut-être sortir ici, moi. Il est toujours. Il sort, je sors. S'il contacte, j'avance. S'il pousse encore, j'avance. S'il joue là. Je peux jouer ici et menacer soit de faire atterrir sur cette pierre, soit de faire atterrir sur cette pierre. Ça peut être une idée. On va voir ça. De toute façon, il faut que je bloque ici. Hein. Il n'y a pas vraiment trop de solutions. Hein. Si je fais pas ça, c'est quand même terminé. Hein. Ok. Donc j'ai dit que je coupais. Hein. Donc on coupe. Atari. Bon, ben, je protège, c'est la pierre de coupe. Et là, il joue comme ça. Ok, je m'y attendais un petit peu en fait. Alors, peut-être que j'ai essayé de lire une séquence, mais c'est un peu compliqué. Si jamais je joue là, donc il est obligé de faire année. Après, je peux jouer ici. Si jamais il bloque, je peux jouer ici. Si jamais il joue là, je peux descendre. Il joue ici. Je peux jouer là. S'il bloque. Mais non, après, là, j'ai pas trop de choix en fait. Ici, là, ici, là, ici. C'est assez compliqué. Si je pousse, il pousse. Si je joue là, il bloque. J'ai que 3 libertés. Mais lui aussi, je fais année là, mais il a juste à connecter ici. Hein.
là, il peut jouer là. Si je joue là, bon, il va s'en sortir avec l'angle vide. Comment faire? Imaginons si je veux sacrifier mes paires de coupes pour obtenir quelque chose d'autre. Par exemple, je joue comme ça. Et quand il fait année, je fais double année. C'est vrai qu'il peut faire Atari. Je joue là. Si jamais il connecte, là, ça peut ne pas marcher. Enfin, c'est vrai que là, faut quand même. Là, je pense que je peux pas vraiment les sauver sans rien perdre, quoi. Ça sert à rien de jouer du synthé comme ça. Parce que si je joue là, qui répond ici, mais qu'au final je meurs quand même ici, l'échange entre le coup O11 et P11 ne servira à rien. Bon, déjà, si je fais année, il peut pas couper. Ça, sinon, je fais Atari. Il joue là, je fais Atari. Ah, mais si, en fait, il peut carrément couper, quoi. Oh là là. D'accord. Il peut carrément couper. Parce que là, j'ai aucun moyen en fait de lui tuer de pire. Finalement, ça, c'était plutôt pas mal pour lui, quoi. Mais je pense que je vais quand même faire année, même s'il coupe, je vais essayer d'obtenir quelque chose. Allez, je pense que je vais perdre des paires de coupe, mais si je peux arriver à obtenir une force dans cet espace-là, ça sera la moindre, on va dire, des choses. On va voir. Ok, il coupe direct. Alors, maintenant, comment je fais? Bon, mes pierres, elles vont mourir, ça c'est clair. Mais comment les sacrifier du mieux possible? Ça, c'est une autre question. Atari, il sort, je connecte, il bloque. Après, comme ça, par exemple, avec un petit essuie ici, vite fait. Si je joue ici, qui joue là, je fais Atari. Il joue ici, il a un gros bloc. Je peux jouer là en premier alors, dans ce cas-là. Là en premier et ensuite essayer de fermer comme ça. Si je joue ici, qui fait Atari, je peux faire Atari. Il va connecter. Et là je peux jouer là et peut-être récupérer un peu ces deux pierres, quoi. Jouer là en premier ou jouer là en premier? Je joue là, qui fait Atari. Ah ouais, c'est ça qui est un peu gênant en fait, c'est cet Atari-là. Sinon, il a cet Atari-là en fait. Du coup, ma pierre-là va servir à rien. Atari, il sort, je joue là, il bloque, je joue là. Si jamais il joue ici, je joue là. Si jamais il joue ici, je peux faire un guetta. Et du coup, ça le ferme. Ouais, je vais essayer d'envisager quelque chose comme ça. Mais bon, Atari, il sort, je connecte. Il faut qu'il bloque là. Ben, s'il bloque pas là, en fait, il va perdre quelque chose ici. On va voir comme ça. Donc il recule. Et moi, j'ai prévu de connecter ici. Donc il va bloquer là normalement, hein, je pense. C'est important. J'ai pas tout lu, c'est vrai en fait. Peut-être. Mais bon, je pense quand même si je me laisse faire le année ici, c'est assez dérangeant. Surtout que j'ai vraiment envie de jouer ce coup après, hein, qui me permet de le fermer. Ah ok, d'accord, donc il préfère, ouais, donc il a compris mon idée, du coup il joue comme ça, plutôt malin quand même.
moi je pense que je vais jouer là. Le problème de ce coup peut-être c'est que si je joue comme ça, je fais année. Alors quoi que je peux même jouer là peut-être. Ça réveille, parce que si jamais il pousse, je peux faire Atari, il joue là, je peux faire Atari, il joue là, je peux bloquer. S'il bloque, je peux pousser. Ça peut être vraiment compliqué pour lui. Donc si je joue là, ça paraît assez sévère, hein. Peut-être qu'il est quand même obligé de jouer là, et du coup je peux tourner. C'est un peu mou peut-être, hein, seulement ça. Bon, c'est gros quand même, parce que ça me permet peut-être de faire pas mal de points dans cette zone-là. Pourquoi je pense qu'il faut pas que je laisse faire quelque chose ici dans cette zone. Alors, je pense que je vais jouer comme ça. Il peut pas jouer là. Non, même, je peux même jouer comme ça en fait. Hein. Si jamais il connecte, je peux faire Atari. Je joue là, je peux faire Atari. Je joue là, je peux pousser. Et quand il fait année, je peux faire contre année. Et du coup, je peux couper toutes ces pierres. Donc ouais, on va faire ça. Ok, donc il prend une bonne décision en fait. Hein. Il fait directement l'Atari, comme ça il enlève. Vraiment tout l'a dit. C'est bien joué, je pense. Par contre, c'est vrai que j'ai pas envie d'ajouter un coup goté là dans cette situation, c'est clair. C'est vrai que c'est assez inquiétant quand même tout ça. Il y a quelque chose qui est inquiétant parce qu'il y a une coupe ici, j'ai une coupe ici. C'est un peu mou de protéger. J'ai envie de jouer là. Est-ce que ça c'est synthé ou pas? Parce que s'il répond pas, je peux jouer là. Si jamais il coupe, je descends. Il peut jouer là, je prends. Il peut jouer là. Bon, ça n'engage à rien sur la vie de son groupe. Il perd un peu de points, c'est clair quoi. S'il répond pas, je joue là. Enfin, s'il répond là, je peux jouer ici. S'il répond là, je peux jouer ici. Il joue là, je peux répondre là. Il recule, je joue là. J'ai plus de liberté. Je joue là, il joue là, bon, encore admettons, je joue là. Et qui coupe, que je tourne. En termes de liberté, c'est un peu étrange. Je sais pas en fait qui est-ce que je gagne ou pas. Bon là, je réfléchis peut-être un peu à des choses étranges. En fait, bon, si jamais dans ma tête, en fait, c'est que si je joue là que c'est synthé et qu'il bloque ici, est-ce que je peux jouer ailleurs après? Parce que si je joue là, que je joue là. Je fais Atari, je joue là, il joue ici. Du coup, je peux couper là. Le truc en fait, c'est qu'il y a ce coup. Mais donc, je joue là, il répond là, après il joue là. Bon, là, je peux pas jouer ici, sinon il bloque, il fait la bonne forme. Ici, là, je dois bloquer ici. Hein. S'il avance, je peux faire Atari là, quoi. Après, il avance, il peut peut-être m'embêter un peu ici. Il peut peut-être me couper en synthé. En fait, ce que j'ai peur, c'est que s'il me coupe en synthé ici, c'est-à-dire qu'il coupe ce groupe-là en synthé. Donc, comme il y a encore une coupe là, après, s'il pousse et qu'il coupe encore là, si ça génère un problème ici et que je suis obligé de répondre, après, c'est ce groupe qui a un problème. Aïe, aïe, je sais pas. Si je joue là, c'est vrai que ça résout un peu tout, en fait, quoi. J'ai moins de problèmes au niveau du timing, mais c'est lent. Je parle de timing, il dit que c'est lent. C'est bizarre. Je sais pas trop. Faut que je me décide. J'ai quand même envie de tester ce coup, quoi. Sans s'y répondre, c'est déjà ça. Bon, on va voir, allez. J'ai pas envie de répondre enfin, sur ce groupe. Ça me paraît un peu mou, mais s'il répond pas, le truc c'est que s'il répond directement là, perdre ces trois pierres c'est pas une option quoi. Du tout. Enfin ces quatre pierres, c'est pas du tout une option de les perdre. Ouais, je vais répondre comme ça. Et puis on verra de toute façon, bon. C'est sûr que si je réfléchis, comme les pierres d'handicap, il les a encore là. Enfin je veux dire dans le sens, j'ai pas rattrapé le handicap.
Donc si je réfléchis comme si mon adversaire était de mon niveau, je vais jamais trouver de bon coup pour moi. Donc on va jouer solide, tranquille, patient. Puis on va attendre. C'est un peu comme ça que je joue en plus normalement, donc pourquoi changer? Et il sort ici. C'est bien joué en fait parce que ça menace donc la coupe ici immédiate, hein, parce que tout mon groupe là n'est pas tout à fait vivant. Mais je peux pas vraiment refuser en fait si je joue là et qu'il pousse encore, enfin je veux dire c'est juste un échange bon pour lui ça donc. Mais comment je protège si je protège aussi? C'est aussi ça la question après. Si je protège là, ça changera parce qu'il peut pousser. Enfin, si je joue là, c'est quand même synthé ça, mais bon. Ça menace toujours une faiblesse chez lui en fait, ça peut être intéressant. Mais bon, s'il la protège immédiatement. Bon, de toute façon, côté pour côté, autant jouer là et lui enlever des points, on verra. Parce que bon, avec ça, bon, voilà, si je joue là, qu'il joue ici, après je joue là, imaginons il coupe. J'ai toujours déjà la possibilité de faire Statari. S'il protège la pierre, je peux pousser comme ça, et là autant il peut tout perdre. Donc il peut pas vraiment me couper en fait si je joue là. Donc il est obligé de renforcer ici. Après moi je peux jouer là par exemple. Ça laisse. Voilà, c'est juste. De toute façon, je suis goté, quoi, que je vais répondre et pour être goté, donc autant le faire le mieux quoi. Ok, donc il menace de couper immédiatement. Bon ben moi je suis obligé de bloquer. Comme je dis, je suis goté de toute façon. Ouais, je sais même pas si c'est une faiblesse. De toute façon, on verra après. De toute façon, je dois répondre. Donc. Ok, il pousse ici maintenant. Donc. Bon là, je peux pas le laisser rentrer, donc il faut bloquer. Hein. Après, on va voir. Ah ouais, il coupe ici. Façon, j'ai dit qu'il pouvait pas couper ici tout à l'heure, dans le sens qu'il pouvait pas me faire mal avec ça. C'est à la limite, ça vaut des points, mais ça vaut pas la base de vie ou un combat ou une attaque. Voilà. Donc, je pense que là, je vais juste reculer. Ça suffit. Est-ce que c'est synthé ça? Ouais, ça peut être un peu gênant. J'ai des faibles. Je crois que si ces deux pierres sont mortes, elles sont pas mortes, mais bon. Si je réponds pas, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse. Je peux jouer là. Je peux couper. Que c'est synthé? Non, s'il peut quand même. Je vais le reculer. Je bloque, il coupe. Ça fait pas grand chose. Hein. Si jamais il joue là, je fais Atari, il bloque. Bon, comme tout ce groupe maintenant est connecté, je pense que j'ai quasiment pas de problème de base de vie. Je vais pas mourir, je pense, c'est impossible, il y a beaucoup d'espace. Donc là, ici, je peux descendre. Si jamais il coupe là, bon bah, je pense que j'arrive à mourir en premier. Ouais, j'ai vraiment envie de pas répondre ici. Ouais, là il faut que je saisisse la chance de pas répondre. Il faut jouer ailleurs. J'ai très envie de jouer là, mais c'est un peu mou comme coup. C'est gros vraiment parce que. C'est vraiment très gros. Si jamais il fait année, je peux jouer là. Si jamais il coupe, je peux faire Atari. Il joue là et je peux faire Atari. Il peut pas bloquer ici parce que j'ai encore de la vie avec ces deux pierres. Donc si je jouais, obligé de pousser là. Alors, du coup, ça détruit pas mal de points ici. Mais le plus gros, je pense que la direction, elle se situe là. Si je joue simplement comme ça, peut-être qu'il va faire contact. Je monte, il va faire année. Je bloque. Il bloque, enfin il connecte. Du coup, il fait beaucoup de points dans le coin.
Et moi, je développe pas tant que ça ici, finalement. Prendre le coin. Donc, c'est un co, hein. Tac, je monte, il bloque, je fais année, il joue là, je joue là, il fait atari, je lance le coup. Et voilà. J'ai envie de jouer ça aussi, parce que là, s'il joue là, j'avance, s'il descend, je peux jouer là et ça développe beaucoup plus de points. Est-ce que j'ai des menaces de... Est-ce que j'ai quoi en menace de coup en fait? Qui est-ce qui a le plus de menaces de coup dans la partie? Est-ce que j'ai vraiment des menaces de coup sur ce groupe? Pas tellement, j'ai l'impression. Pas vraiment de menaces. En plus, c'est pas des bonnes menaces parce que si jamais j'utilise les menaces sur de ces deux pierres, c'est-à-dire que j'ai pu le pousser ici. Si j'imagine, je fais n'importe quoi, atari ici par exemple, il bloque. En gros, maintenant ça marche plus parce qu'il peut bloquer quand je fais année là. Il peut couper maintenant parce que là j'ai plus d'adji, j'aurais plus rien. Donc j'ai peut-être pas tant de menaces que ça. Quoi, j'en vois pas beaucoup. Pas de grosses menaces, hein. Ça me semble pas très bien de lancer un coup. Joue ici, mais ça fait pas tant de points que ça, peut-être. En fait, avec ce coup, ce qui est bien, c'est que j'ai des choses en fait à jouer par exemple comme ça pour. Enfin, en tout cas, c'est normal, il faut bloquer là, je pense. Enfin, si je recule, il descend, je joue là, il monte, et après je développe des points et ça, ici, quoi. Donc, je pense que je vais faire le contact, et puis on verra. Voilà, donc il joue là comme je le pense. Est-ce que reculer, c'est mieux? Parce que je peux jouer là aussi. Alors, il y a plusieurs séquences qui existent dans cette situation. Sans le but c'est que je construise des points quand même, hein. Je peux pas non plus essayer juste de lui enlever des choses. Parce que là, en termes de points, il est en avance. Il a quoi ici? Il a. Donc j'ai un privilège là, c'est pour moi, donc il répond là, je joue là, il répond là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il a 19 points. Là il a quoi? Ah, j'ai pas... Là j'ai pas mon privilège. C'est pas mon privilège du tout là par contre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 18, quelque chose comme ça. 18 plus 19, ça fait 47. Et là, il y a quoi là? Il prend 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est quand même privilège pour moi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, si jamais j'ai pas la terre ici. 12, 13, 14, 15. Bon, il y a une quinzaine de points maximum. Si je recule ici, qu'il joue là, que je joue là ici, donc le développe, là ça va lui faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 plus 15, 26. 26, 37. 47, 57, 63, 64, 65, 66, 67. Ça lui fait 67 points, ça lui fait beaucoup de points quoi. Et moi j'ai pas autant du tout. Toujours pareil, partie handicap, c'est un peu dur. Hein. Juste en jouant normalement et d'attendre que l'adversaire fasse des erreurs, c'est vraiment pas évident. Alors, du coup, c'est vrai que j'aurais envie de jouer là. Parce que bon, si je joue juste là, autant c'est la partie perdue de manière sûre. Si je joue comme ça, en gros, ça balance des séquences plus complexes, par contre. Suis pas sûr de tout connaître de ce coup. S'il fait atari là, je bloque là. S'il joue là, je vais faire atari là, et du coup, je lui prends tout le coin, et du coup, il fait pas de points là. S'il fait atari là, je sors. Et s'il sort encore, c'est ça le plus chiant. Je pense que je vais jouer là et je vais voir en fait ce que ça donne après. Bon, je pense que ça existe, que je trouverai toujours un truc. Et puis on verra quoi. De toute façon, je pense que si je joue là, c'est vrai que je vais faire des points ici, mais là il va devenir tellement solide que la partie elle va être assurément perdue. Donc c'est pas très intéressant quand même. Donc voyons voir ce que ça donne.
il fait Atari là. Donc on va pas lui donner un Ponoki, hein, donc on connecte. Il recule, ce qui paraît évident. Et donc là, si je me souviens bien, il faut avancer encore une fois. Si ouais, je me souviens de la séquence finalement de celle-là. Ouais, faut avancer. Faut avancer. Voilà, et c'est là que ça devient intéressant. Alors en fait, c'est vrai que bon, si je fais que ramper sur deuxième mine, c'est pas cool quoi. Mais là, j'ai une solution, c'est-à-dire que je peux couper là. Bon, déjà, si jamais il fait Atari, par exemple, comme ça, je peux faire Atari ici, il prend, je descends, je capture les deux pierres ici. Donc avec ce coup, il ne peut pas toucher à... il ne peut pas m'enlever la liberté de la pierre, il ne peut pas la mettre en Atari. Du coup, si je joue là, il est obligé de jouer ici. Et après, ça me permet de faire un contact comme ça, un très bon Tesuji. S'il descend, ben, je descends. Et après, s'il descend encore, après je reviens jouer là. Et là, on voit bien qu'il ne peut pas. Donc, quand je joue là, il peut descendre une fois. Je joue là, mais après, il est obligé de remonter. Et après, je peux jouer ici. Voilà. Ça lui permet de peut-être de développer un peu moins de points là. Bon, s'il joue bien la séquence, est-ce que j'ai mon que j'ai parlé là, bon, ben, c'est comme ça, hein, il joue bien la séquence, il joue bien la séquence. Donc, allons, on coupe. Ok, donc il joue là comme, comme je le pensais. Et là, donc on fait le contact comme ça. Il peut, normalement, c'est mieux quand même de descendre une fois. Voilà, bon, il monte en F4. Bon, du coup, ben, c'est moi qui joue en F2. Hein. Puis voilà quoi. Ok, donc il tourne. Donc je pense savoir pourquoi il tourne, c'est assez simple, c'est parce que cette pierre elle a encore de la vie. Bon, ce qu'il veut c'est qu'il n'y en ait pas. Par exemple, bon là maintenant si je comme il a tourné, si je monte ici, il peut faire le guetta. Si je monte, il peut jouer là et il me tue mes deux pierres grâce au tourné. Le truc c'est que je vais peut-être pas répondre en fait, je pense, hein, parce que bon s'il joue là, je bloque. S'il joue là, bon probablement il y a une coupe, mais même je tourne, il joue ici. Bon, avec la coupe là, je pense que je m'en sors mieux quoi. Ouais, s'il fait Atari, je joue là. S'il joue là, je pense que je peux avancer encore. S'il joue là, je peux même jouer ici. Et j'ai plus de liberté que lui dans le coin. Donc là, je suis pas obligé de répondre. Donc je vais surtout pas répondre parce que sinon, je vais perdre les points, quoi. Donc là, qu'est-ce qui me semble le plus gros? Je pense que ça c'est vraiment très très gros comme coup. C'est vrai que j'ai très envie de, on a très envie de jouer sur ce bord. Mais si je joue sur ce bord, c'est ce coup. Après, il peut rentrer et je vais pas vraiment faire de points quoi. Donc, par contre, bon, lui, il peut faire l'extension 2. Bon, l'extension 2, c'est pas non plus énorme. Bon, ça développe quand même ici, mais après, il faut que je me débrouille en gros quoi pour réduire le centre au maximum. Mais je pense que ça c'est énorme. Il faut absolument que je le joue. Donc, on va jouer. Ok, donc il avance. Voilà, il pouvait pas aner comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, sinon il y avait un problème à cause des deux pierres ici. Bon, moi je pense qu'il faut, bon, de toute manière, il faut que je continue d'avancer, hein, parce que bon, le but en fait c'est de lui réduire cette zone, hein, de lui casser un peu tout ce qu'il a, quoi. Puis là c'est un peu pareil en fait, c'est-à-dire que là, si il fait aner, je peux faire aner. Enfin, il y a peut-être des petits soucis, quoi. Ça peut être, non, encore avec les deux pierres d'Adi, en fait là, si j'enlève la liberté sur ces trois pierres, bon. On va voir, on va avancer encore un coup. Ok, donc il vient jouer son coup en H3, hein, c'est son privilège. Donc je bloque. Ok, il connecte. Ouais, il y avait une faiblesse quand même là, donc il pouvait pas vraiment. Enfin, s'il descendait en H2, que je coupe, c'était quand même assez compliqué, hein, pour me tuer là, donc. Voilà, il a fait ça. Bon, pour vivre, bon, c'est vrai que je pourrais genre simplement jouer comme ça, mais bon, je peux vivre en jouant du yossé dans cette situation. Par exemple, je peux jouer le coup en B2. C'est-à-dire que bon, s'il répond, bon, après je vais encore pousser une fois, ou même jouer là, je pense.
Mais bon, s'il répond pas, moi après je peux jouer là, et puis genre jouer en A1. Enfin, si je joue là, qui joue ici, je peux jouer A2, ce qui est très gros en fait. Bon, c'est vrai que là par exemple il pourra bloquer ici, peut-être qu'il peut m'enlever des choses dans cette situation là, peut-être du coup. C'est quoi le plus gros? Est-ce que je joue B2 pour vivre ou est-ce que je joue J2 en me connectant à mes pierres ici, quoi? De toute manière, je suis goté. De toute façon, il n'a pas répondu à mon coup, donc. Est-ce que c'est son privilège ou pas de jouer en B2? Ça paraît le privilège un peu de personne. Enfin, ça paraît quand même plus le privilège de blanc, parce que quand je joue en B2, ça m'apporte pas mal de choses, alors que lui, joue en B2, ça lui apporte pas grand-chose. Si j'ai joué au préalable J2, quoi. Que J2 connecte avec mes pierres ici. Alors que si je joue là, qu'il joue là, ouais, je pense que c'est plus grand en fait de jouer J2 au final. Ok, il pousse en H1. Bon, c'est un peu bizarre. Ça ne pousse sans couper, quoi. Ce qui pense qu'il peut arriver à créer quelque chose. Bon, c'est un peu bizarre. Ok. Vais juste reculer, hein. D'accord. Bon, ben, je bloque. Et donc oui, voilà, il vient bien faire son extension 2 comme je pense que je l'avais prévu, un peu celle-là. Bon, il reste des choses à faire encore. Bon là, c'est vrai que c'est un peu compliqué là maintenant. Là, je suis en retard de toute façon là, donc la partie devient un peu irrationnelle. Enfin, la continuer, ça devient un peu irrationnel. Parce qu'au final, j'ai voulu jouer une séquence un peu particulière pour l'empêcher de faire 15 points. Mais c'est vrai qu'au final, ça lui donne ça d'influence. Mais bon, je trouve que cette influence peut-être pas trop utile, je sais pas. Par exemple, c'est vrai qu'il a encore un truc ici, par exemple, c'est un peu gênant, il est obligé de répondre. Enfin, il est obligé de répondre à certains coups, quoi. Enfin, à cause comme il n'a pas capturé cette pierre, j'ai encore du synthé à l'extérieur. Bon, sinon. Comment je la joue? Dans l'ordre, c'est vrai que j'ai bien envie de couper ici, d'avancer. Ça menace un peu les points là, il va être obligé de répondre. Donc j'ai bien envie de commencer par. Mais pas par celui-là, parce que si je joue celui-là, il va prendre tout de suite et du coup j'ai plus la tarée ici. Donc d'abord la tarée là, comme ça si je joue là, je recule et j'ai toujours la possibilité de descendre en B18. Donc ouais, on va voir. Sort. Et maintenant en fait il a un petit problème dans cette zone. Ok, il protège comme ça, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que je peux jouer ce coup? Est-ce qu'il peut descendre? Je joue là, il joue ici, je joue là. Est-ce qu'il peut couper? Faut que je lise un peu plus là. Là, donc il descend. Je joue là, il joue ici. Je joue là, il joue ici. Non, ça peut pas marcher. C'est dommage. Ça marche vraiment pas. Il n'y a pas un problème avec la liberté ici. Là, là. Là. C'est vrai qu'après je peux faire Atari, il prend, je peux faire Atari, il reconnecte, je descends. Ah, il y a peut-être un truc comme ça en fait. Ah oui, ça marche en fait. D'accord. Là, 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 là. Du coup après je peux faire Atari là. Quand il prend, je peux refaire Atari. Il connecte dedans. Après je descends et donc du coup il a que deux libertés et moi j'en ai trois. J'en ai bien 3, c'est ça. Et du coup, je peux jouer là. C'est ouf, ça marche. Ok, d'accord. Donc il décide de jouer comme ça. Si je joue là, il va pousser. Si je coupe, il va faire double atari. En même temps,
S'il pousse, je peux pousser. S'il joue là, je peux couper. Non? S'il veut sortir la pierre. Ah non, parce que là, il va jouer là. Si je joue là, s'il bloque, je peux pas couper parce que je suis en atari. Mais alors? Là, là, là. Si jamais il joue là, en fait, dans ce cas-là, si je peux pas le couper. Si je peux pas le couper, après, je peux pousser. Si jamais il bloque, je peux jouer là. Et si jamais il joue là, je peux refaire ma séquence comme ça, quoi. Pourrais la jouer comme ça. Peut-être j'ai mal lu, hein. Peut-être j'ai loupé un truc, c'est possible, hein. Mais bon, un peu difficile dans cette situation. Donc voilà, il va pousser encore un coup. Moi, je vais pousser encore un coup pour menacer de couper. Descend, mais non, ça marche pas. Non, ça marche pas du tout en fait, hein, parce que là, je peux jouer ma séquence comme ça maintenant. Vous voyez bien, si jamais il coupe là, je peux faire Atari. Je peux refaire Atari. Et ouais, mais c'est ça, mais. Bah, finalement, je joue cette séquence. C'est fou quand même. Atari, voilà, il va connecter et là, voilà, hein, c'est. Et là, je descends. Aïe, 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 aïe. Ah, là, il a fait une grave erreur de lecture. C'est dommage parce que là, en plus, je suis synthé. Oh là là, c'est une horreur en fait. Ah ben oui. Parce que du coup, là. Je peux couper maintenant, donc il est obligé de protéger. Du coup, j'ai gagné ça en synthé. Ouf. Oh là là là. Donc là, du coup, ça me fait beaucoup de points là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Non, pas 32 en fait. 30. Parce que je vais être obligé d'ajouter des coups ici parce que quand même là. Voilà. 30 points quand même là. Ah ouais là. Bah, du coup ça me donne un peu un espoir pour la partie. Bon, sachant que là il a toujours ses 19. Et c'est quoi là? Qu'il a quoi là? 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 et là j'ai dit qu'il y avait 19. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. 37. Bon, j'ai quand même 7 entre ça et ça. Et ce groupe là, j'ai 7 points de moins que ça et ça. Ok. Et là, et il a quoi là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, on va dire. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il a quand même 21 points, il faut que je me débrouille pour avoir 21. Là, j'ai quoi là? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai quoi là? Ah, c'est mon privilège, hein, ça je pense. Hein. Mais c'est son privilège aussi, donc du coup, ah oui, il a quand même plus de points que prévu, quoi. Bon, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai que 6 points. Bon, il a cet Atari là qui est horrible en fait. Hein. Enfin, horrible. Je m'en fous un petit peu en gros quoi. Enfin, c'est juste qu'il est synthé, c'est agréable en fait de jouer là, je suis obligé de répondre là. C'est assez agréable pour lui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir jouer dans cette situation? J'aime bien toujours jouer ce genre de coup. C'est du gros yossé, je pense. Parce que si jamais il fait. Ah, je peux jouer comme ça. Mais ça lui donnerait beaucoup de points quand même. Enfin, ça lui apporte des points donc c'est vrai que c'est. J'hésite. Ah, il y a son centre en fait qui est un peu dangereux si jamais il fait. Ah oui, voilà, c'est si jamais il fait le kéma ici que ça peut être assez relou. J'ai envie d'entrer, de jouer directement là en fait pour menacer, pour l'empêcher de faire un maximum de points ici. Parce que si je joue là, il peut peut-être jouer comme ça, il peut encore faire des points. Alors que si je joue là, bon. Un peu plus compliqué ce coup, mais il faut que je m'en sorte. Parce que ça, comme il a l'Atari là, en fait, en gros, je suis dans une zone vraiment hostile là. Peut-être avec des coups de contact, je peux essayer de m'en sortir. En tout cas, là, il faut que, encore que je trouve un moyen de rattraper. Parce que je suis encore en retard, hein, ici, malgré tout. Donc, ouais, je vais essayer de jouer comme ça et puis on va voir.
Oui, c'est ce que je pensais qu'il allait faire, hein, voilà. Donc il essaye de m'avaler, ce qui est plutôt logique en fait, parce que c'est assez profond. Si je joue là, je ici, je joue là, il fait Atari. Bon, je ne vais pas vraiment essayer tenter de le couper là dans cette situation, je pense. Sortir simplement. Sortir simplement, ça va pas suffire en fait, simplement quoi. De commencer par jouer là, parce que si jamais il fait année, enfin quoi que non, ça va le renforcer vis-à-vis de ces deux pierres là. Je peux plus vraiment trop les capturer maintenant. Il joue là, je joue là. Parce que en fait, cet échange peut-être qu'il peut me servir à jouer comme ça. Si jamais même il fait Atari, je peux faire Atari, je peux arriver à créer une forme peut-être. C'est pratique. Ouais, je vais faire comme ça et puis on va voir. C'est assez étrange. Ouais. Là, il a vraiment joué mou parce que de prendre la pierre, il essaye même pas de résister avec un hané en fait. Là, du coup, je suis assez content de venir faire la gueule du tigre, je pense. Ah oui, là, la bonne forme, là, c'est très agréable. Il sort ses deux pierres, d'accord. En fait, il envisage, je pense, encore de pousser l'âge, là, il fait Atari. C'est ça, je vois que ça. Donc, du coup, là, je pense, dans cette situation, il faut que je sorte ici pour l'empêcher, parce que sinon, je peux pas me faire couper ces trois pierres, quand même. Donc, là, je les connecte, c'est tranquille. Ok, donc finalement, il vient juste se connecter, comme ça. Bon, du coup, ben, il a perdu. Du coup, ben, j'ai réussi à faire ce que je voulais, mais un peu trop facilement, je trouve, parce que je voulais lui enlever des points ici. Ben, du coup, ça a trop marché facilement, j'ai l'impression. Bon, alors, ben, du coup, maintenant, c'est le Yossé, hein. Peut dire que tout le combat est terminé. Donc, c'est quoi le. Bon, Yossé, c'est vrai que dans cette zone-là, on a toujours du mal, mais c'est quoi qu'il faut jouer comme Yossé, quoi? C'est vrai qu'il y a tellement de choix. Là. J'ai envie de jouer en deuxième ligne comme ça, quoi. Si jamais il pousse, j'avance. Il y a ça que j'ai envie de faire. C'est vrai que j'ai toujours. Ça me plaît toujours ce genre de truc, quoi, parce que. Bah, si jamais il fait année, si je joue là, il fait Atari, je fais Atari, il prend, je connecte. Qu'est-ce que ça donne? Là, ici, année, Atari, je fais Atari. Il prend, je connecte. S'il fait année, j'avance. S'il fait encore année, je fais Atari. Il connecte, je fais Atari. Mais quand j'ai ces trois pierres là, s'il joue ici, du coup j'ai juste à connecter là. Donc, du coup, voilà, s'il joue ici, je recule. C'est vraiment marrant. Hein. Parce que j'ai un mur en fait aussi, donc là il peut pas vraiment. Ouais, il peut jouer là, ici, donc il peut pas faire Nobi en fait, parce que je peux reculer, Nobi, je peux venir me connecter parce que j'ai une pierre deuxième ligne. J'ai toujours envie de tester ce genre de coup, c'est marrant. Ok, donc. Bon, il a pas trop réfléchi en fait, mais il a directement bloqué de ce côté quoi. Bon, du coup, je suis assez content de reculer. Et du coup, ça lui crée des faiblesses, hein. Je peux jouer là encore, hein. S'il descend, je peux jouer là, il est obligé de jouer là, je peux avancer. Il me pousse encore. Bon, mais je suis obligé de. Est-ce que je joue là? Si je joue là, en fait, il a secoue, santé, je suis obligé de connecter, du coup, j'ai plus secoue après plus tard qui peut être intéressant, donc je vais simplement reculer. Et je pense qu'il est obligé de protéger, hein, parce que là, il y a une faiblesse un peu chiante, hein. Si je joue vraiment ça, il peut pas descendre, hein. S'il peut que jouer là par exemple, bon, ben, je fais Atari, ou s'il connecte ici, ben, je connecte par en dessous, ça lui enlève encore beaucoup de points là. Hein.
Donc là, la bonne protection, je pense, c'est de soit reculer, soit de protéger ici. Ah! C'est vrai qu'on peut protéger comme ça aussi, parce que maintenant, du coup, si je joue là, il descend, je monte, il est obligé de jouer là, je joue là. Et du coup, ça protège quand même pas mal. Mais si j'ai une pierre déjà de plus ici, mettons que je joue là, il répond pas. Je joue ici, il descend, je joue ici, il joue là, je joue ici. Il joue là, je joue là, et c'est bon, en fait, ça change rien, quoi. Ouais. Bon, je peux simplement jouer comme ça, mais bon. Bon, en tout cas, il protège. Donc, je suis synthé. Et ça fait depuis un moment que j'ai envie de jouer ce Yossé aussi, qui est énorme. Bon, c'est vraiment le plus gros. Voilà. Bon, du coup, ça me procure des points ici, hein. C'est vrai qu'après ça, c'est énorme hein, de bloquer comme ça aussi. Bon, c'est vrai que là, c'est un peu bizarre comme on sait comment on peut appeler ça, quoi. C'est même pas un contre-synthé parce que ben, du coup, blanc, il peut en... noir, il peut encore être synthé en jouant T16, je bloque, il protège et je bloque. C'est juste que ça lui empêche de faire la glissade, ou de faire une glissade comme ça en la suite, en seconde ligne. Qu'est-ce qui est le plus gros? Si je joue là, qu'est-ce qui se passe s'il bloque? Je descends, il bloque, je joue là. Il peut faire Atari, je descends. J'ai que deux libertés, mais après il est obligé de me capturer les deux pierres, il est obligé d'ajouter deux pierres chez lui. En contrepartie, je lui donne des points en plus aussi, quoi. Si je joue là, je joue ici, je fais Atari. Non, c'est pas Atari en fait, ça. C'est juste qu'il peut prendre la pierre. Non, il peut prendre la pierre. Non, il n'y a plus grand chose en fait là. Je vais éviter de faire quelque chose ici. Donc, je pense vraiment le plus gros, c'est ce coup. Ça paraît vraiment gros. Ça me procure beaucoup de points ici, donc ouais, je vais jouer comme ça. Bon, ça lui laisse la possibilité de jouer T7, hein, évidemment. Mais bon, c'est toujours mieux que de lui laisser la glissade. Voilà. Donc là, je vais être goûté, hein. Allez, protège en T6, voilà, et moi, je suis obligé de protéger ici. Du coup, je lâche la main, mais bon, j'ai fait des points. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dizaines. Ok, mais ça. Oh, c'est un peu bizarre, là, parce que je suis pas du tout obligé de répondre maintenant. Je m'en fous de maintenir ce groupe séparé. Hein. Non, je pense que le plus important pour moi, c'est de capturer ces deux pierres. Hein. C'est ce que je voyais, quoi. Donc je vais jouer ici et du coup, ça fait pas mal de points de les tuer, quoi. Donc il fait la tarie, normal. Ça, ouais. Voilà la grande chose qu'il faut toujours réfléchir, quoi, c'est est-ce que je peux jouer là? Réfléchir à ça en premier, quoi. Qui coupe. Coupe et après je fais Atari. Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Là, ici. Ouais, après il a un double Atari, quoi. Donc je vais jouer là.
coup, j'ai peut-être pas 10 points en fait, quoi. J'avais pas cerné que j'avais peut-être plus de faiblesses que je le croyais ici. Est-ce que je suis obligé de répondre? Parce que si je joue là, il joue ici, je peux jouer là. Hein. J'ai pas envie qu'il ait ce coup, quoi. Peut-être qu'il aurait dû jouer maintenant, en fait. C'est vrai que le timing de jouer ça, c'est peut-être pas. D'abord, au lieu de jouer ça, il joue là, je réponds et ensuite il avance. Parce que là, je peux jouer là. Parce que maintenant, s'il joue ici, je peux connecter et après il revient jouer là et après je suis peut-être. Ah, mais j'ai pas tout à fait deux yeux en fait sur tout le groupe ici, d'accord. Ah, peut-être c'est un peu risqué de jouer là alors. Ouais. Simplement jouer comme ça. Ouais, mais c'est énervant en plus qu'il puisse jouer là quoi, sainteté. Je joue là. Il joue ici, je joue là. C'est vrai que j'ai plus un œil ici, ici maintenant. Bon, je peux toujours connecter là, quoi. Si jamais il répond pas, bon. Jouer là m'apporte quoi? Pas grand-chose. C'est vrai que s'il coupe après, est-ce que je peux faire un œil ici? Ouais, c'est trop compliqué. Je vais jouer là, c'est plus simple et voilà, quoi. Ok, donc il protège les points ici, ce qui paraît évident. Et moi, je pense que je vais le réduire un peu du coup en jouant ce coup. Ouais, c'est un peu bizarre. Pourquoi il pousse? Parce que je recule, hein. Et finalement, il revient jouer là. Donc en gros, il aurait pas dû pousser, il aurait dû jouer là tout simplement. C'est plus simple. Du coup, j'ai encore envie de le réduire avec un Toby comme ça. Il protège, hein, voilà. C'est évident. Et puis après, je fais une autre bambou. Il protège avec l'angle vide et du coup je viens jouer le coup en A8. Il recule. Bon, c'est un peu dommage, hein. Il pouvait jouer Atari, je pense, hein. Il n'y avait pas trop de problème. C'est quoi le plus gros maintenant? Je pense l'angle vide ici, ouais. C'est intéressant, ça menace de capturer les deux pierres. Voilà. Et je pense que là, le dernier gros coup, maintenant, c'est le blocage ici en end. Ça, c'est vraiment gros maintenant. Parce que, premièrement, je protège une pierre qui lui donne. Enfin, puis je menace de jouer P1. Enfin, bref, c'est très gros. Et il avance. Alors là, attention, hein, il faut pas bloquer là, on est d'accord, hein, parce que vraiment ça coupe. Donc... Ok, là on bloque ici, normal, on connecte. Ok, bon, bah, j'imagine en fait il veut m'enlever des points ici, donc là faut bloquer là. Mais ça, c'est pas une bonne idée parce que. Du coup, après, je peux faire Atari là. Si je joue là, après, je peux jouer ici. Et si bloque là, je peux déclencher un Ko. Ouais, il a fait un mauvais échange en fait là. Parce que là, autant il est obligé de connecter ici hein, maintenant. C'est pas très malin de sa part. Là. Je sais pas s'il va s'en rendre compte. Oh là là, il s'en est pas rendu compte. Est-ce que je suis obligé de répondre à ce coup? Oui, parce que sinon, en fait, il répond pas, il joue là, je joue là, il refait Atari là. Oui, je suis obligé de répondre. Et je vais répondre comme ça, je pense. Ouais. D'accord. Alors, je vais connecter là. Ok, d'accord. Et maintenant, donc, je vais jouer ce que j'ai parlé. Hein.
Mais je pense que je vais le faire de manière assez subtile, c'est-à-dire je vais pas faire Atari tout de suite. Peut-être jouer là d'abord. Ensuite, ça c'est l'idée en fait, c'est de pouvoir déclencher le coup en premier. Maintenant je peux faire Atari là du coup. Oui. Parce que du coup il va être obligé de prendre et quand je vais jouer là, ça va, il va jouer là et du coup je vais reprendre le coup. Voilà. Voilà, je connecte, qui est obligé de jouer là. Et maintenant, c'est moi qui prends le coup en premier. C'est une grande différence, hein. Si j'avais joué dans un autre ordre, je suis pas sûr de prendre le coup en premier, hein. Parfois, ça peut être décisif, hein. Qui prend le coup en premier dans une partie de Go, c'est important, hein. Ok, c'est vraiment bizarre là, par contre. J'hésite. C'est quoi le plus gros? Là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, si jamais il répond pas, après je joue là, c'est encore plus gros quoi. Du coup, il a même pas voulu se battre pour le coup, c'est vraiment bizarre. Ça, c'est énorme comme coup, j'ai l'impression. Il a peut-être la solution de prendre après. Qu'est-ce que je fais? C'est vrai que tout le monde se jetterait ici, mais c'est pas petit ça. Parce que si je prends, il connecte. Je fais le double Atari ici. C'est vrai que c'est une bataille de coups, mais si je gagne ce coup, je pense que c'est beaucoup plus gros que la prise de ces pierres là. Donc c'est qu'après, j'ai peut-être pas tant de menaces de coups. Bon, de toute façon, j'étais parti pour jouer un coup, donc. J'ai envie de prendre quand même, quoi. Ça m'a l'air plus gros. Ouais, on va faire ça. Et ouais, donc du coup, bon, en fait, là, c'est l'autre option, en fait, hein, c'est-à-dire qu'il protège vraiment même pas, quoi. C'est-à-dire que je prends, il veut vraiment tellement pas le coup qu'il joue comme ça, du coup, je peux prendre le coup et ensuite jouer là. Donc, il protège. Là, j'ai encore gagné des points. Et du coup, maintenant, je vais jouer le coup que j'ai très envie de jouer aussi, c'est le coup P1. Mais là, il est un peu bête d'avoir protégé par contre. Il a répondu là trop machinalement. En fait, c'était pas synthé ma prise. Voilà. En fait, je suis en train de réfléchir. Si je joue là, il fait Atari. Je bloque. Imaginons, il répond pas. Je joue là. Il joue ici. Je descends. Il joue là. Je joue ici. Ça fait double Atari. Imaginons, il fait Atari. Je descends. Il joue là. J'ai plus que deux libertés. Mais après, je peux jouer là. Il peut pas approcher, quoi. Donc, c'est peut-être synthé de jouer comme ça. Alors, j'ai très envie de voir, en fait, quoi. Ça m'a l'air intéressant. Toujours vraiment cette faiblesse en P17 que je suis sûr qu'il y a un petit truc ici, quoi. Même si c'est juste une question de YoC, quoi. Pas juste tuer, mais juste si je peux gagner des points grâce à cette faiblesse, c'est cool. Parce que là, le fait qu'il... Ah, il a même pas bloqué. Oh là là. D'accord, bon, mais là, c'est clair que c'est gagné, en fait. Hein. C'est comme si, que, voilà, je viens d'exploiter sa faiblesse ici, alors. Enfin, j'étais pas sûr à 100% qu'il y avait un truc, mais bon, là... Bon, ça me dit pas qu'il y a un truc qui répond au 18, mais bon, du coup, il a eu peur de la faiblesse en P17. C'est ouf. Si je joue là... Qui répond là. Après, je joue ici. Si jamais il joue dedans, je coupe. Si jamais il prend, je joue là. Si jamais il prend, je joue là. Ici, ici, couper. Ouais, non. Ah, c'est bon, il n'y a plus rien en fait après là. Donc je pense que le plus gros. Ça c'est gros. Mais ça c'est gros aussi. C'est vraiment très gros en fait ça.
J'avais plutôt joué B2. Ouais, c'est énorme B2. Il protège. Normal. Je pense que donc maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Il va connecter, je pense, en Q11. Et moi, je recule en Q13, ce qui me permet de lui enlever le point ici en P12. Il préfère avancer. Mais là, j'ai pas envie de répondre. Maintenant, j'ai envie de me connecter ici. Je pense que c'est le plus. Parce que bon, peut-être toujours quelques problèmes. Il pousse, en fait. Il pousse. Atari, en fait. Ça peut être gênant. Là, moi, je joue là. Je pense qu'il n'y a plus rien, quoi. Et en plus, ça fait des points. C'est son privilège. Normal. Il n'y a pas un petit problème quand même là. Atari, je joue là. Si je joue ici, je connecte. Atari, je joue là. Il coupe. Je joue là. Oula, je peux pas bloquer là. Je suis obligé de jouer comme ça. Ah oui, mince, j'avais pas prévu ça en fait. C'est con. Je bloque là, et là c'est bon normalement. Oui, là c'est bon. Ok, donc voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure en fait, c'est que j'avais compté 30, mais en fait 32 au début, mais c'était que 30 parce que je suis obligé d'ajouter 2 pierres là. J'ai encore avancé, j'ai encore ajouté une pierre, donc finalement, j'ai. Pas de point en C19 ni de point en D19. Obliger l'adversaire à capturer des pierres, hein, c'est cool. Ok, bon ben là je mène, je connecte. J'ai pas compté exactement les points, je pense que je suis en avance maintenant, et du coup en ayant eu ça là, ça fait beaucoup de points. Est-ce que je gagne la partie ou pas? On va faire la surprise, je pourrais, j'ai le temps même de compter, je pense, toute la partie là, mais bon, on verra bien. Ok. Alors j'ai quand même fait un petit comptage rapide. Alors bon, je suis trompé, sûrement peut-être. Enfin, si d'autres personnes comptent, ils auront peut-être quelque chose de différent de moi. Mais bon, j'ai compté quoi? 62 pour noir et 67 pour blanc. Donc je suis un peu en avance. D'après ce que j'ai compté. Donc 5 points, il n'y a pas de commis. Ok, donc il joue là, donc il a juste un synthé ici, c'est tout. Hein. Bon, moi je vais pousser, c'est gratuit. Ok, voilà, il bloque. Alors je pense que dernier petit point que je peux prendre, c'est je peux faire Atari comme ça. Et après je connecte. Ok, Atari. Bon, il menace de couper, donc on va protéger. Hein. Et oui, ça c'est gros en fait, hein, parce que si c'est moi qui jouais le coup en O10, il bloquait là, je jouais là, il mangeait les pierres, il perdait 3-4 points, hein, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très gros de bloquer ici, quoi. Ok, d'accord. Alors qu'est-ce que gros maintenant? Je vais faire Atari là. Pousser.
c'est marrant parce qu'à la fin, là, comme là, il a pas un œil en fait ici. Après, plus tard, si je fais Atari ici, il va jouer là. Et si je fais Atari, ça fera double Atari sur tout ce groupe et sur ces trois pierres. Mais seulement si je garde cette pierre. Donc cette pierre vaut 2 points et pas 1 point. Connecté là, c'est gros finalement. C'est marrant. Du coup, on va pouvoir se battre sur ce coup. Je pense que c'est pas encore le moment de jouer ça, mais bon. Ouais, je pense que je vais jouer là dans l'ordre. Il m'a rajouté du temps, mais bon. C'est la fin. Bon, je vais en rajouter aussi, voilà. Ok, d'accord. Tout à fait normal. Bon, il aura même. Je sais pas, est-ce qu'il aurait pu jouer là? Il peut, peut-être, hein, mais bon, il pouvait. Protéger cette pierre. Ok. Reste plus grand chose maintenant. J'avance ici, ouais, j'avance ici. Et quand je vais connecter ici, ça menacera de faire un autre point en K19. Atari, je connecte. J'aurais pas joué ça à sa place, j'aurais plutôt joué le coup en J5, parce que J5 ça m'enlevait un point en K6, alors que là le fait de me faire couper n'a pas vraiment d'influence sur le plateau, donc du coup j'ai plutôt envie de jouer J5, parce que s'il coupe ça ne m'enlève pas de points, donc du coup jouer K4 ne m'enlève pas de points. Enfin si quoi, si j'aurais pu jouer moi en K4 et avoir un point. Bon, je pense qu'il aurait plutôt dû jouer le coup en J5. Non, ça c'est ok, d'accord, mais le truc c'est que s'il jouait F19, je prends, il n'était pas goté. Là, le truc c'est que je prends et il doit protéger quoi, donc c'est pas une bonne idée parce que le coup E19 ça lui fait pas de points. Du coup, là il perd l'initiative un peu bêtement en jouant comme ça. Donc, comme moi je fais, je pousse. Il protège et je pense que le dernier coup qui fait. Plus que 1 point, parce que ça c'est 1 point, ça c'est 1 point, là peut-être c'est juste 1 point, c'est celui que je parle, c'est la connexion ici qui fait pas juste 1 point mais 2. Parce que comme là il peut pas faire un œil ici, après je vais pouvoir avoir l'Atari là, le double Atari ici, à cause des deux pierres d'Asie. Donc finalement, quand j'ai ça pour greffer ces deux pierres, bon je pensais pas pouvoir m'en les utiliser autant, et finalement vous voyez, hein, comme quoi même des deux pierres mortes en fait, il va les ressentir jusqu'à la fin quoi, c'est. Bon, je pense que j'aurais peut-être pu jouer autrement pour les garder, ces deux pierres. Ça aurait été une autre partie, hein, mais bon, finalement, parce que quand je les perds, mon attaque n'a pas été très, très, très bon, très, très bonne quand même. Finalement, j'ai pas réussi à attaquer comme je le voulais quand même, hein, c'est clair. Ok, il joue là, mais là, c'est clair que je vais avancer, parce que comme ça, si j'avance, s'il n'a pas d'œil, il aura un point moins ici. En plus, c'est synthé, quoi. Donc c'est un peu bizarre qu'il joue le coup J5, J15, c'est juste un damé quoi, c'est comme si il jouait un damé maintenant, voilà. Est-ce que je peux faire un point ici? Oui, en jouant comme ça. S'il pousse, je joue là, ouais, ça fait un point. Il avance. Vraiment faire mon point ici alors peut-être. Oui, en fait je peux même faire 2 points, je peux même faire un point ici, un point ici, vu que ça c'est synthé. Non, ça, enfin, si je joue là et là c'est synthé, donc du coup je commence par là.
Après, je peux jouer là. Ah non, mais je l'aurais peut-être pas mon point en fait. Ah oui, mince. Bon, tant pis. Parce que là, il peut jouer là en sainteté, en fait, c'est ça le truc. Parce que s'il joue là, même si je peux jouer Atari ici, là, je peux jouer là. Ah, mais ça fait Atari. Ah, mais il a juste à prendre les deux pierres, et moi, si je prends les trois pierres, ben il coupe ici. Donc il peut jouer là en sainteté. Donc du coup, j'ai pas ce point ici, quoi. C'est juste qu'il va jouer là, je connecte, après il protège ici. Enfin, j'espère qu'il l'a vu, quoi, parce que. S'il l'a pas vu, je crois même que je vais lui dire, parce que faut pas que la partie se termine aussi horriblement, quoi. Ouais, bon, il protège tout de suite. Bon, c'est un peu dommage. En fait, il n'a pas vu qu'il pouvait jouer en L15 pour m'enlever un point ici. Du coup, ben, c'est moi qui joue L15. Et du coup, je fais vraiment deux points. Alors là, peut-être j'avais qu'un seul point dans cette zone. Et là, du coup, j'en fais deux. Et le dernier point, ça me semble être celui-là en A1. Après, ah non, c'est vrai qu'il y a aussi un point en F5. Enfin, si je joue en F5, F5, c'est un point en fait. Parce que comme là, il est coupé. Voilà. Donc F5. Donc là, il reste plus que le co. Il faut jouer le co, sérieusement. Ok. Bon, bah, je prends le co, hein, c'est la dernière chose qui reste à faire. Bon, mais on va épuiser les menaces de co, là. J'ai l'impression qu'il y a souvent les parties de go, elles finissent comme ça, quoi. C'est-à-dire, finissent sur un co à un point pour vraiment éliminer tout ce qui existe, quoi. Voilà, bon, c'est parti, on fait les menaces, quoi. Alors, on sait quoi la meilleure manière de répondre pour apprendre. Ok. Faire Statari. Non, ce qui est marrant, c'est que j'ai des menaces ici en C4. Après, même s'il bloque, je peux pas encore faire menacer en B5. Je pense que j'ai plus de menaces que lui. Ouais, j'ai plus de menaces que lui. Il n'y a quasiment rien en fait hein, comme menace. Bon, il en a encore une là, d'accord. Après, il y en a encore une en L2 et une encore en M1. Celle-là. Voilà. Ici. Ce qui est marrant, c'est que je peux même jouer là, hein, parce que si jamais il protège, je descends et donc il meurt de partout. Donc je peux jouer ici. Il est obligé de jouer en B4, je reprends le co. C'est les menaces locales en fait, c'est-à-dire que je lui empêche de connecter le co quoi. Je reprends. Voilà, ça menace. Je prends. Et je peux encore jouer là. Parce que quand je joue là, ça l'empêchera de connecter le co. C'est marrant. J'ai encore une menace ici, c'est vraiment horrible. Horrible pour lui quoi. Là, j'ai plus rien, je crois. Plus rien du tout comme menace. Je crois que c'est fini là. Il n'y a rien ici. Hein. Enfin, il n'y a que ici qui peut trouver des menaces. Mais il n'y a rien. S'il joue là, je réponds pas. Il joue ici. Atari, est-ce que ça m'enlève un point, même s'il coupe là? L'impression qu'il n'y a rien. Hein. Voilà. Ok, d'accord, mais. Ah si en fait c'est un point parce que si je réponds pas, il peut connecter ici et connecter ici c'est sainteté. Du coup je serais obligé de répondre comme ça. Du coup c'est vraiment un point. Du coup je vais être obligé de répondre là un jour. Parce que même imaginons, je réponds pas, il joue ici, bon il s'ajoute une pierre, j'ajoute une pierre à l'intérieur, et après il ajoute une pierre à l'extérieur et moi j'ajoute une autre pierre encore à l'intérieur. Du coup plus de menace, ouais, j'ajoute du temps, ok. Bon, du coup je suis obligé de répondre. Mais je crois qu'après c'est fini. Là c'est horrible pour lui en fait quoi parce qu'il va encore prendre le co. Ok d'accord. Il va encore prendre le co mais après je peux connecter en. Je peux jouer A4 en fait quoi. Il peut même pas connecter, c'est une horreur. Du coup j'avais une, deux. Trois menaces sur place, quoi. C'est fou. C'est des menaces pour un point, hein,
Et là, il n'y a vraiment, vraiment plus rien, je pense. Connecté, même il prend la liberté ici, non, non, ça c'est rien, quoi. Voilà, coupé ici, mais non, mais je pense qu'il n'y a rien. Hein. C'est. Il prend la liberté là, là et là. Après, il descend. Ah, mais si, il y a encore une menace en fait. Parce que, après, il va connecter là, il va connecter là, il va connecter là, il va connecter là. Et ensuite, après, il joue, il descend, ça fait Atari, je peux pas connecter ici, sinon il prend tous les pierres, toutes les pierres. Du coup, je suis encore obligé de prendre la pierre. C'est horrible. C'est bien trouvé en fait. Du coup, il coupe, c'est encore une menace de coup. Mais un point, mais bon. Ok, bah, je prends. Oui, je reprends le coup. Je pense que... Ah bon, là c'est bon, là c'est fini de chez fini en fait après. Mais toi, c'est qui, voilà, il peut jamais gagner parce que j'ai beaucoup, beaucoup plus de menaces. Par exemple, même ça, c'est une menace. Menace énorme, quoi. Oui, c'est une menace. Oui, on est d'accord. Oui, c'est une menace. Menace à je sais pas combien de points. Pour un point. Mais non, ça c'est pas une menace. Ça fait pas Atari. Là, si je connecte le coup, après il joue là. Ah non, mais je suis obligé de prendre encore. Non, ça. Mais si je connecte, après il joue là, après je prends la pierre. Il ajoute une pierre chez moi, j'ajoute une pierre chez moi, donc ça me l'enlève pas de points. Du coup, je peux connecter là tranquillement. C'est bien ça. Il peut jouer là, je vais prendre, mais j'ai pas perdu de points ici. C'est moi qui ai gagné le coup. C'était le dernier point. Dernière bataille de points, quoi. Bon, alors on va voir si je gagne. Hein. Bon, d'accord, ça fait Atari, voilà. Mais c'est un damé. Je sais pas s'il veut jouer les damés. Bon, il y a encore un petit peu les damés, c'est les points qui appartiennent à personne. Hein. Ça, 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 ça. Ouais, et 4 damés. De chacun. Bon, il passe, ok. On peut passer sur quel geste de toute façon, donc. Ça. Et au final, je gagne de 5 points et demi, c'est ça? Ben voilà, c'est mon évaluation. Hein. J'avais dit 62 pour blanc, 62 pour noir, 67 pour blanc. 5 points. Je me suis pas compté le commis de 0,5. J'ai pas compté parce que le commis est de 0,5. Du coup, je suis content. J'ai super bien évalué quoi. Au point près, parfait en fait en gros quoi. Trop cool. 67, 62, 5 points. Et là, avec le commis, 5 points et demi. Trop cool. Je suis content. Bref, donc merci à tous d'avoir regardé la partie. Bon, je sais que ça dure très longtemps. C'est vraiment des formules longues en fait, ce genre de commentaires. J'essaierai de faire des commentaires un peu plus rapides aussi, quoi. Mais voilà. Donc, sur ce, merci tout le monde. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit partage. Voilà. Merci, salut tout le monde. Ciao, ciao.